Relation amoureuse. Ma chérie, tu es dans une relation avec quelqu'un. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu ne vois pas ton devant ou ton derrière. Ou bien le gars n'a rien fait pour toi. Coco, il t'aime pas. Voilà. Les hommes qui pensent que c'est quand tu grimpes sur une fille en la moussant, c'est ça que c'est ce qui veut dire que tu l'aimes là. C'est des menteurs. Un homme qui t'aime, il fait des projets avec toi. Un homme qui t'aime, il envisage son avenir avec toi. Un homme qui t'aime, quand il parle de son demain, il t'inclut là-dedans. Voilà. Il ne fait pas les choses en dehors de toi. Il demande ton avis. Avant soit de voyager ou d'entamer un truc, il demande si ça peut t'aller, si c'est bon pour vous. C'est ça un homme qui t'aime. Sinon, celui qui fait ses voyages sans toi, et puis c'est le c'est pas quand il a fini d'avoir son visa, hein, et puis tout est bon, il va partir là. C'est là qu'il va venir te dire non, maman, je m'en vais tel jour au State, ou bien je m'en vais tel jour au Canada, ou bien je m'en vais tel jour en France. Non, un homme qui t'aime, il prévoit, c'est-à-dire tout est prévu. Vous faites des choses ensemble, vous imaginez des choses ensemble, vous mettez même 5 francs, 5 francs à côté ensemble. Il parle de toi, c'est-à-dire... Il est fier de t'avoir comme chérie, comme épouse. Il est fier de dire aux gens, voilà ma femme. Il ne te cache pas. Il ne te fait pas mal à tout va. Il n'y a pas d'homme sérieux sur la terre. Là. Il n'y a pas d'homme parfait. C'est vrai. Mais celui qui t'aime, celui qui t'est destiné, là, il a des comportements que toi-même, tu arrives quand même à lire entre les lignes. Sans pour autant parler, là, toi-même, tu sais que celui-là, c'est pour moi. Mais quelqu'un même, il est avec toi. Bien au contraire même. Si il est avec toi, s'il a gagné 5 francs, il va te donner. Mais dès qu'il quitte, peut-être, je sais. Quelqu'un même qui est avec toi, son argent là, devant toi, il s'en va donner, il s'en va investir dans autre chose. Il ne t'en parle pas, tu ne sais rien. C'est toi qui te tues pour la relation. C'est toi, tu es tout le temps en train de faire des concessions. C'est toi qui es tout le temps en train de lui pardonner. C'est toi qui es tout le temps en train d'essayer d'améliorer votre situation. Tu es là quand il a besoin de toi. Tu es là quand il ne foutait rien. Tu es là même quand aujourd'hui il travaille. Tu es là. Tu le supportes. Il a des douleurs dehors. C'est toi qui le charges. Tout ce qu'il veut là. Toi tu fais. Mais toi tu n'as rien dans la relation. Coco, tu attends quoi pour partir? La plus belle. Tu attends quoi pour jeter, on va dire, cola là. Tu attends quoi pour jeter ça? Parce que lui là, il est comme vent. Son là-haut. Il n'est pas là-haut. Ça ne te sert à rien. Ça ne te donne rien. Ça ne rajoute rien. Ça n'enlève rien sur ta life. Bébé, jette. S'il ne t'aime pas là. Parce que ça là, c'est une autre façon de te montrer que toi, il ne fait rien à toi. Voilà. C'est une autre façon de te montrer qu'il n'en a, il s'en fout de toi. Il est à toi. Si tu as mangé, tu n'as pas mangé. Tu es malade. Il n'est même pas là pour te soutenir quand tu es malade. Il n'est pas là pour être là quand ça ne va pas. Il n'est pas là. Maguya, ça là, tu vas aller où avec maman? Jette ça là. Faut jeter. On dit, c'est vrai. Hein? On dit, faut pas être compliqué. Mais ça là, il n'y a pas foutaise qui dépasse ça là. Garçon qui t'aime là. Hein? Il ne va pas dire que tu es compliqué. Femme a besoin de quoi? Attention, respect. Et puis, prouve-lui que tu l'aimes. Si les 3 choses-là, il ne peut pas faire ça-là. Maman, la plus belle, jette ça parce qu'il ne t'aime pas. Parce que tu n'es pas faite pour lui. Il a sa femme à côté. C'est elle, il aime. Toi, il ne t'aime pas. Donc, jette-le. Ah, ah. C'est vrai, il peut s'avérer que tu sois fan. Il n'y a pas de souci. Mais, goumé, là, ça n'a jamais tué quelqu'un. Donc, Coco, attrape ton cœur et puis libère ta vie. Parce que ça-là, c'est poids pour ne rien même. C'est poise, il est là même pour t'enfoncer au lieu de te faire sortir. Quelqu'un qui t'aime, il est là pour toi. Il est là, il en vit que... C'est-à-dire, tu es sa reine. Il parle de toi même, elle fierté. Il parle de toi avec... Quand il parle de toi, il sourit. Mais quelqu'un qui est toujours en train de dire, tu as gros cœur parce que tu lui mets des barres. C'est-à-dire parce que tu lui dis, non bébé, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ils sont dit aux gens, tu as gros cœur. Quelqu'un même qui te cache, parce que pour lui, tu as un handicap. Quelqu'un même qui n'est même pas fier même de parler de toi. Quand on parle de toi, elle est là. Oui. Ça là, tu es ça en 2018. Faut pas trier garçon. Hein. Mais tu peux pas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Phénomène ça là. Et puis tu dis que tu es dans relation. Non. Tu n'es pas.
Les camarades ont le gars parle d'elle. Le gars est fier d'elle. Pour toi là. C'est-à-dire toi-même tu dis aux gens tu as gars et puis tes camarades te regardent. Quand tu dis non, vous arrivez quelque part, on te drague et puis tu dis non, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Tes camarades sont comme ça. Parce qu'elles sont choquées que tu arrives quand même à penser que quelque chose comme ça là, c'est l'homme dans ta vie. Voilà, elles sont dépassées. Tu peux pas être dans relation et puis façon il te traite là. Toi tu as considéré que tu n'es pas dans relation, cocotte. C'est-à-dire toi si tu fais relation à sens unique, tu aimes le gars pour vous deux. Mais tu vas pas continuer à aimer quelqu'un pour deux. Pourquoi? C'est quoi? Tu es dans quoi? Qui te force? C'est qui est mort? Libère ta vie là-bas, les gens vont respirer. Libère ta vie. Il n'a qu'à dégager.